Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment, tout d'abord, réussir son rhum arrangé. Donc, par la même occasion, comment en faire? Ouais, c'est logique. Enfin bref, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut du rhum, ça c'est vraiment important, on ne peut pas s'en passer. Et des fruits. Fruits, légumes, tout ce qu'on veut. Pour le réussir, c'est pas super compliqué. Il nous faut des fruits avec beaucoup de saveur. On peut utiliser des citrons, des oranges, des gousses de vanille, tout ce qu'on veut en fait, qui a du goût. Comment les préparer? Parce que on peut les mettre comme ça ou on peut les mettre autrement. Et justement, c'est là où on va voir la différence. Moi, pour mon rhum arrangé, par exemple, si je le fais au citron, je coupe le citron. Ouais, attendez. Je coupe le citron. Comment on va le couper? On va le couper comme ça. Yep. Je coupe des grosses tranches. Il y en a qui pourraient le mettre comme ça, tel quel. Ils mettent direct les tranches, genre en mode bonhomme. Eh ben non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un bol ou dans un verre. Enfin, bon, c'est au choix, ça n'a entre peu et pas d'importance. Je vais mettre du sucre et je vais laisser reposer un petit moment. Moi, généralement, je laisse aller un jour parce que le sucre, enfin, j'ai l'impression que quand on met du sucre avec et qu'on fait du rhum arrangé avec des fruits préparés comme ça, le rhum a tout de suite plus de goût. Enfin, bon, c'est mon avis personnel. Après ça, comment on fait? On met tout simplement dans son rhum, enfin, dans son rhum, on met dans une bouteille de rhum et on laisse macérer tout ça, ad vitam aeternam. On peut faire pareil avec la tomate, la pomme, l'ail, le persil, la menthe, tout ce qui vous passe par la tête, même du rhum arrangé à vos ongles. Et oui, il y en a qui peuvent aimer, même si c'est pas mon avis. Enfin bref, vous l'aurez deviné, le rhum arrangé, c'est super simple à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère faire d'autres vidéos. Enfin, oui, faire d'autres vidéos. Je vous remercie et au revoir.